Voilà, c'est parti pour la Dudley Pep MTC 175th Anniversary Cup avec un excellent départ de Solar Symbol, Captain Stock également. Très bien parti, mais se retrouve à l'extérieur de Senor Versace qui suit plus près aujourd'hui. Ensuite, il y a Timog pour l'instant en épaisseur de Captain Stock et de Seattle Ice. De leur sillage, il y a Autumn Frost qui ferme le cortège. Les chevaux vont dans le virage et vont tourner pour la première fois sous l'impulsion de Solar Symbol qui a l'avantage devant Timog qui a rejoint Senor Versace. Tout juste derrière, on retrouve Captain Stock qui évolue en dehors de Seattle Ice et c'est Autumn Frost qui ferme le cortège. On passe devant les tribunes pour la première fois, toujours sous l'impulsion de Solar Symbol et Ingram Chisky. En deuxième position, il y a Timog qui est toujours à l'extérieur de Senor Versace. Ensuite, il y a Seattle Ice, Captain Stock et toujours Autumn Frost qui ferme le cortège. En pleine montée donc, avec Solar Symbol qui contrôle toujours les opérations devant son compagnon d'écurie, Senor Versace, qui suit très très bien en deuxième position, accompagné par Timog, qui évolue à l'extérieur sous la montre de Britam Debi. Ensuite, il y a Captain Stock, qui court lui en dehors de Seattle Ice. C'est toujours Autumn Frost qui ferme le cortège. En pleine descente à 800 mètres du poteau, Solar Symbol a toujours l'avantage devant Timog qui arrive sur son arrière-main à l'extérieur de Senor Versace qui a très très beau parcours jusqu'ici. Captain Stock également commence quelque peu sa descente et suit le coursier de l'écurie Maigro. Et toujours Seattle Ice et Autumn Frost pour les deux dernières places. On accroche la rue du gouvernement, c'est accéléré là à l'avant avec Solar Symbol qui a toujours le meilleur, accroché maintenant par Timog. Senor Versace toujours très très bien placé avec Captain Stock qui reste bien dans le coup avec Seattle Ice et Autumn Frost. Je veux aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Solar Symbol. Senor Versace qui est normalement à l'extérieur, lancé par la Delta contre Seattle Ice également. Photo ici